Je n'entends pas. Je n'entends pas. Saïd, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends bien. Je n'entends pas. Saïd, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends bien. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Saïd, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends bien. Maintenant, je vous entends. Très bien. Donc là, on est en direct. J'ai lancé le direct. Donc bonsoir à tous. Mahbabikom, on se retrouve aujourd'hui autour d'un nouveau live sur Prisma. Donc la page Prisma et le site internet Prisma est un site dédié est dédié pour traiter les questions économiques et politiques en Algérie. Donc à chaque fois, on essaye de faire intervenir des personnes spécialistes sur un domaine précis ou faire des débats entre des personnes sur une thématique politique ou économique. Donc aujourd'hui, on a l'honneur et le grand plaisir d'avoir avec nous deux éminents spécialistes, donc deux grands intellectuels algériens, pour débattre autour du dernier livre de M. Abdi. L'idée de débat, c'est de faire découvrir et connaître le livre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le livre, c'est la crise du discours musulman, donc de Platon à Kant. Donc, l'idée, c'est d'échanger autour du livre. Donc, rapidement, je vais présenter le format de cette émission. Il y aura en première partie M. Adi qui va nous présenter le livre en 10-15 minutes. Aussi, après, il y aura juste après une réplique de M. Djabelkhir pour donner aussi son avis. Après, on va ouvrir le débat autour des questions que je vais poser ou que les personnes vont poser autour sur la page Facebook. Donc, comme je disais, le livre de M. Hadi, c'est un livre essentiel, important, qui tombe à pic par rapport aux questions que se posent. Qu'on peut se poser dans le monde musulman, surtout les derniers temps, par rapport à tout ce débat, par rapport à la crise surtout en France, le débat par rapport à la question de la place de l'islam dans la société, et aussi par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser en Afrique du Nord, et spécifiquement en Algérie. Donc le livre est un livre essentiel, important, que tout un chacun doit lire parce qu'il donne des réponses à beaucoup de questions et surtout il lève le préjugé sur pas mal de questions. Donc c'est un livre de fond où il répond à pas mal d'interrogations qu'on peut se poser autant que musulman ou non musulman. Peut-être je vais laisser M. Abdi en parler un peu plus davantage avant d'ouvrir le débat. Merci Wahab, merci pour cette invitation. Merci à Saïd Djabelkhir d'avoir accepté de participer à ce débat. Et je pense que ce genre de débats sont essentiels pour nous,
quand je dis pour nous, des sociétés en voie de sécularisation. Et nous sommes en voie de sécularisation, et la preuve que les pays musulmans, et en particulier l'Algérie, est en voie de sécularisation, c'est qu'il y a des courants conservateurs, des courants religieux qui s'opposent, et parfois de façon violente, à cette sécularisation. Si elle n'existait pas, il n'y aurait pas eu cette opposition. Et la sécularisation est inéluctable, mais en même temps, il faut l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. La sécularisation n'est pas contre la foi. Beaucoup de gens pensent que la sécularisation ou la laïcité, c'est l'athéisme. Non, non, il faut expliquer et il faut aussi historiciser, c'est-à-dire mettre dans le contexte historique les questions que nous débattons. Si les Algériens, d'une manière générale, refusent la laïcité, c'est parce que c'est au nom de la laïcité que la Troisième République française a combattu le mouvement national, qui lui utilisait l'islam comme identité politico-religieuse. Donc, voyez-vous, le rejet de la laïcité est beaucoup plus, il s'explique par l'instrumentalisation de la France coloniale, de la religion sur deux fronts. En même temps, la France coloniale soutenait les zaouias pro-administration et utilisait la religion et refusait d'appliquer la laïcité qui était valide à Paris. Et en même temps, elle combattait le mouvement national en accusant les militants nationalistes d'être des fanatiques religieux. Et donc, on leur disait ici c'est la laïcité, etc., etc. Et donc, dans la culture politique algérienne, la laïcité veut dire contre l'islam. Et il faut expliquer que c'est l'histoire, notre histoire, qui a donné ce contenu au mot laïcité. Autrement, une fois qu'on explique ce que c'est que la laïcité, les Algériens se détendent et ils acceptent la laïcité. Parce que la laïcité n'est pas hostile à la religion, ni à l'islam, ni au judaïsme, ni etc. Et donc ce genre de débat est très très important parce que nous sommes en période de sécularisation et les sociétés qui sont dans des périodes historiques de sécularisation sont susceptibles de connaître de la violence. Et donc, nous, universitaires, une de nos missions est de pacifier le débat, de pacifier l'espace public. Ceci comme introduction. Je voudrais dire pourquoi et comment j'ai écrit ce livre. J'ai commencé à écrire ce livre il y a très longtemps, lorsque j'ai été invité à participer à un colloque sur Mohamed Abdou. Et je connaissais superficiellement Mohamed Abdou, et quand j'ai commencé à le lire pour écrire ma communication, je découvre que c'était un grand théologien. C'est un grand théologien contemporain du 19e siècle qui a tenté de réformer la théologie. Et donc, ma question, c'est pourquoi Mohamed Abdou a échoué. Et en le lisant, et il a un livre qu'il faut absolument lire, Risalat al-Tawhid, qui est fondamental, c'est l'un des livres sur l'islam, l'un des plus importants de ces deux derniers siècles, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait une ambivalence dans sa pensée. D'un côté, il voulait réformer, mais d'un autre côté, il ne se donnait pas les moyens de réformer la théologie. Et c'est ainsi que cette ambivalence a donné naissance à une double filiation intellectuelle. Elle a donné à une filiation intellectuelle de laquelle se réclament aujourd'hui les islamistes, par le biais de Rachid Reda, dont le disciple est Hassan al-Benna, fondateur de l'Organisation des Frères musulmans. Mais il a aussi une autre filiation, c'est Ali Abdelrazak, c'est Saad Zarloul, c'est notre fils Sayyid, c'est Taha Hussein. Et donc, il a une filiation sécularisée. Et la question est de savoir pourquoi la filiation intellectuelle sécularisée a échoué. Parce que dans tous les pays arabes, que ce soit en Égypte ou au Maghreb, eh bien,
cette filiation intellectuelle a été quasiment effacée de la mémoire sociale. Elle a été. Et qui en Égypte parle de notre fessayé de Saad Zaghloul? Et donc, pour répondre à la question pourquoi Mohamed Abdou a échoué, j'ai dû construire une problématique avec des hypothèses que j'ai essayé de démontrer en ayant recours à l'histoire des idées religieuses, à l'histoire de la théologie musulmane, c'est-à-dire à l'évolution de la théologie musulmane depuis le début. Et ce que j'ai constaté, c'est que la théologie musulmane a été marquée par des débats intellectuels, philosophiques très très riches, jusqu'au XIIe siècle. Il y avait Ikhwan Safa, il y avait Al-Mu'tazila, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd. Et même quelqu'un comme l'Ash'ari, qui est un ancien Mu'tazila. Mais à partir du XIIe siècle, cette créativité a quasiment disparu. Et pourquoi? Parce que la philosophie a été quasiment interdite depuis ce livre de Razali, Tahafut al-Falasifa. Alors ceci est l'hypothèse centrale de mon livre. Elle est soutenue par d'autres hypothèses d'ordre méthodologique. La première est que la religion, et ça c'est valable pour toutes les religions et pour toutes les sociétés, la religion ou le sacré, quand je dis religion, c'est le sacré, n'est-ce pas? Eh bien, le sacré est toujours vécu dans une culture. Il est toujours vécu dans une métaphysique qui le soutient. Parce que, et là, on doit parler de Al-Kun et de Abu Zayd, qui sont des penseurs modernes contemporains sur la question. Al-Kun et Abu Zayd, ils disent que lorsque Dieu s'adresse aux hommes, il s'adresse à eux dans leur culture de l'époque, dans leur métaphysique, dans leur langue. La transcendance ne s'exprime pas en dehors de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme métaphysique à l'époque dont nous parlions? C'était la métaphysique grecque. Et donc, les théologiens, que ce soit les théologiens juifs, chrétiens ou musulmans, ils ont tous utilisé la métaphysique grecque, et notamment Platon, pour rationaliser le message biblique. Alors, quand je dis le message biblique, le Coran est une continuation du message biblique. Et donc, c'est ainsi que des théologiens comme Saint Augustin ont christianisé. Saint Augustin a christianisé Platon. Bien sûr, il a tracé des limites, il n'a pas dépassé. Et celui qui a fait ce travail pour l'islam, c'est le Razali. Le Razali est un excellent connaisseur de la philosophie grecque. Les oulémas contemporains aujourd'hui n'ont pas la connaissance de Razali. Et donc, le Razali a islamisé Platon, mais en même temps, il a marqué une limite entre la philosophie et la révélation coranique. Et il a quasiment interdit la philosophie. Donc, Et si la philosophie plutôt si la philosophie de Platon a réussi, c'est parce qu'elle correspond à l'eschatologie biblique. Elle correspond à l'eschatologie biblique. Bien sûr, Moïse est antérieur à Platon, mais avant Moïse, il y avait les religions helléniques. Il y avait les religions helléniques où il y avait la même structure eschatologique que celle que présente Moïse dans l'Ancien Testament. Voyez-vous? Et donc, Platon a probablement lu l'Ancien Testament. En tous les cas, il a lu, il connaissait les religions helléniques, puisque lui-même, il est grec. Et donc, il y a un accompagnement, voyez-vous, entre la narration biblique et le dualisme platonicien. Et ce dualisme platonicien, l'islam est encore plus fidèle que le christianisme à ce dualisme platonicien. Parce que chez Platon, les deux mondes
celui des idées et le monde sensible sont étanches. Et donc, dans le christianisme, il y a une violation de cette étanchité, puisque Jésus-Christ est dit fils de Dieu. Or, Dieu appartient au monde de l'intelligible, au monde des essences. Et il n'a pas de lien sensible avec le monde sensible. Et voilà que Jésus-Christ, il appartient simultanément aux deux mondes. Et c'est pour cela que l'islam d'ailleurs refuse, l'islam refuse de dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et ils disent Jésus, c'est juste un homme comme tous les hommes. Il n'est pas fils de Dieu parce que l'ayoublet, etc., le verset que vous connaissez, que nous connaissons, qui dit que Dieu n'enfante pas et il n'est pas enfanté. Et donc, l'islam respecte encore mieux le platonicisme, la philosophie de Platon. Et c'est pourquoi je pense que, et ça c'est une hypothèse, que la philosophie platonicienne est mieux et plus enracinée dans la culture musulmane que dans la culture chrétienne. Quand on sait que la mystique chiite ou bien le soufisme sont l'incarnation même, la manifestation même du platonisme, et encore renforcée par Plotin, donc qui a donné naissance à l'islam, ce qu'on appelle l'islam néo-platonicien. Mais pour revenir à la crise, c'est que Ibn Rushd est beaucoup plus aristotélicien que platonicien. C'est Ibn Sina al-Farabi qui sont platoniciens. Et Ibn Rushd est plutôt aristotélicien. Mais lorsque la philosophie a été interdite, les idées de Ibn Rushd ont émigré vers l'Europe. Et on peut le dire, et des spécialistes de la question européenne le disent, l'Europe a quasiment connu Aristote à travers Ibn Rushd, grâce à Ibn Rushd. Thomas d'Aquin est un disciple de Ibn Rushd. Et c'est Ibn Rushd qui a appris Aristote à Thomas d'Aquin. Ou plutôt, Thomas d'Aquin a lu Aristote à travers Ibn Rushd. Mais en même temps, à la fin du Moyen-Âge, l'aristotélisme est entré en crise. Il ne pouvait plus fournir les clés d'intelligibilité de l'histoire et du monde. Et donc, il y a eu apparition d'une nouvelle philosophie. Voyez-vous? Alors, j'émets une hypothèse, c'est juste une hypothèse. Si la philosophie en terre d'islam n'avait pas été interdite, peut-être qu'elle aurait évolué. Et on aurait eu un Descartes musulman, un Kant musulman, etc., etc. Et donc, c'est ce que je voulais surtout démontrer. Et donc, le chapitre 4 concernant Mohamed Abdou, Mohamed Abdou ou une transition épistémique avortée, le chapitre 4 est le chapitre central de mon livre. Les trois chapitres qui le précèdent le préparent. Temhid, Mahdo. Et les quatre ou les trois derniers autres chapitres, c'est les conséquences de l'échec de Mohamed Abdou. Voilà, en gros, ce que je voulais faire comme introduction pour introduire ce débat. Maintenant, j'attends la réaction avec plaisir de Saïd Jabal Khair et aussi des questions de vos auditeurs. Très bien. Donc voilà, donc directement la parole à vous, Saïd Jabal Khair, donc pour nous dire votre lecture du livre. Merci Wahab. Je voudrais d'abord féliciter le professeur Lawari pour ce travail ô combien remarquable. Et vraiment, c'est un travail, comme dirait l'autre, de grosse pointure. C'est un travail remarquable. Il a fait un travail qui, normalement, devrait être fait par des groupes de recherche. C'est-à-dire, c'est un travail
que j'ai beaucoup apprécié. Cela dit, j'ai quelques remarques. Par rapport d'abord à la laïcité. La laïcité, effectivement, elle n'est pas hostile à la religion et nous ne cessons pas de le dire depuis plusieurs années maintenant. Mais ce n'est pas facile de faire admettre cette évidence, surtout aux islamistes qui continuent à associer la religion à la politique. Ensuite, je voudrais intervenir par rapport à Mohamed Abdou. Pourquoi l'école de Mohamed Abdou a échoué? En fait, il y a deux moments de ce qu'on appelle la Nahda. Le premier moment, c'était un moment fort. C'était le moment où c'était un moment où les Nahdaouins, si on veut, ont posé la question, la fameuse question, لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. C'est-à-dire, c'est le fameux livre de Shakib Arslan. C'était là la première question qui a été posée par le mouvement de la Nahda. Et la première réponse qui a été donnée, c'était de dire que les gens qui ont évolué, c'est-à-dire les peuples qui ont évolué, les civilisations qui ont évolué, notamment c'est-à-dire en l'occurrence les Européens, les Occidentaux en général, ils ont évolué parce que ils ont cru en la science, ils ont cru en l'État moderne, ils ont cru en les libertés, et ils ont respecté l'être humain, sa dignité, ses droits. Et voilà la première réponse qui a été donnée par exemple Salama Moussa, Farah Anton, Refaat Tahtaoui, le tout premier groupe qui a été envoyé par Mohamed Ali Pacha, gouverneur de l'Égypte, en Europe pour étudier dans les universités européennes, notamment entre autres la Sorbonne. Donc, mais cette question, elle a changé après cette première génération, quand est venue la deuxième étape, celle de Mohamed Abdou et ses disciples, entre autres Mohamed Rachid Reda, qui est le plus célèbre de ses disciples, on a assisté à un changement par rapport à cette question. Ils ont posé donc ce deuxième groupe de Nahdawiyin a posé une autre question qui était celle de dire كيف نعيد إلى المسلمين عزتهم؟ C'est-à-dire comment restituer aux musulmans leur ancienne gloire. Et c'était surtout par rapport c'était une réaction par rapport à la chute et du califat ottoman. Et donc, qui a été reçu comme étant un grand choc narcissique, une blessure narcissique, et un grand choc qui a bouleversé le monde de musulmans. معروف هذيك القصيده نتاع شوقي احمد شوقي اللي دارها في رثاء الخلافه etc. Donc là la réponse était toute prête et toute prête. C'était de dire que les musulmans ont perdu, c'est-à-dire ils ont perdu leur gloire et leur dignité parce qu'ils ont, ils ont d'abord parce qu'ils ont perdu leur califat et deuxièmement et surtout parce qu'ils ont dévié de la ligne des salaf, c'est-à-dire et là nous sommes entrer dans une autre logique, c'est-à-dire on avait quitté la logique de la Nahda vers une autre logique qui est celle du ihyaïsme. C'est-à-dire, donc, on a commencé, et là, on a assisté à l'émergence du mouvement, par exemple, des frères musulmans, du Hassan al-Banna, qui est le disciple de Mohamed Rachid Reda,
Et par exemple, Chabab Chabab Islami, Ansar Sunna, Mohamed Hamed Fiqh, etc. Donc là, l'objectif, il a changé. D'abord, l'objectif était de faire accéder les musulmans à la modernité, à la science, à l'état moderne, aux droits de l'homme, aux libertés, etc. Après, là, on n'était plus dans la même logique. Là, on était dans la logique de réinstaurer le califat, استعادة الخلافة, إحياء الخلافة, donc une logique de إحياء, et on n'était plus dans la Nahda. Et donc, quand on parle de réinstaurer le califat, donc évidemment, on va parler de djihad et de djihadisme, et c'était la logique dans laquelle se sont emballés les frères musulmans à partir de 1928 avec Hassan al-Banna. Paradoxalement, l'islamisme en Algérie, il partageait pratiquement presque toutes les idées du islamisme du Mashriq, sauf pour Cheikh Ben Badi, sauf pour le point de la réinstauration du califat sur lequel Ben Badi n'était pas d'accord. Ben Badi, il était contre le califat, et il a applaudi d'ailleurs ce qu'avait fait Atatürk en 1924. Il a bien applaudi dans un article qu'il a même, dont il a même, il avait même envoyé la copie à Cheikh Al-Azhar et qui ne lui a jamais répondu. Mais quand même, il lui a envoyé cet article très détaillé sur le califat. Il était contre le califat. Donc il a applaudi. Mais sinon, les autres, à part Cheikh Ben Badis, les autres n'étaient pas d'accord sur ce plan. La preuve, c'est que, par exemple, on va prendre par exemple un Foudel Ouartilani, qui était le bras droit de Hassan al-Banna, qui était son ministre des Affaires étrangères, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était le bras droit de Hassan al-Banna, c'était le bras droit de Hassan al-Banna, et qui était en même temps membre de l'association des ulémas d'Algérie, musulmans d'Algérie, كان عضو في جمعية العلماء وفي نفس الوقت عضو في جماعة نشيط في جماعة الإخوان المسلمين وذراع الأيمن تاع الشيخ حسن البنا. Donc et là pour revenir à la question, pourquoi Abdou a échoué? Il a échoué parce qu'il n'avait pas effectivement, et c'est vrai que ce qu'il avait fait c'était quelque chose de c'était quelque chose de très audacieux. Par rapport à l'esprit qui régnait à l'époque. Mais quand même, il n'avait pas l'audace d'un Rifaat Tahtawi ou l'audace, par exemple, d'un Farah Hamtoun ou d'un Salama Moussa ou même d'un Abdelaziz Jawish, par exemple. Donc, il était un peu... je ne sais pas maintenant s'il avait peur des réactions de l'Azhar, des chouyours de l'Azhar, ou peut-être qu'il avait un autre plan. En tout cas, Mohamed Abdou, ce qu'il avait proposé comme réforme n'a pas dépassé l'enseignement des filles. Il voulait aussi intégrer les sciences modernes, qu'elle soit empirique ou sociale, dans l'enseignement de l'Azhar, chose qui lui a été refusée. Il a critiqué aussi la polygamie, même s'il ne l'a pas interdite, c'est-à-dire, mais il a critiqué la polygamie. Il a critiqué aussi le port du voile, le hijab, mais c'est-à-dire, il a critiqué la manière de le porter, mais il ne l'a pas critiqué en tant que sur le plan du principe. C'est-à-dire, donc il a critiqué le voile tel qu'il était porté par les Égyptiennes à l'époque. Et pour lui, cette façon de le porter, c'était une façon qui alourdissait les mouvements des femmes au point qu'elles ne pouvaient pas travailler à l'aise ou c'est-à-dire de façon libre. Mais en réalité, le travail de Mohamed Abdou, il a surtout concerné quelques habitudes sociales de l'Égypte et du monde musulman de l'époque.
plus que les règles, c'est-à-dire plus que les textes de l'islam en elles-mêmes, à part quelques versets du Coran à qui il a donné des interprétations plus ou moins, on va dire, modernistes. Par exemple, il a expliqué, il a interprété le verset de la sourate Al-Fil, Arsala alayhim tayran ababil. Pour lui, tayran ababil, c'était des microbes. Et c'était la première fois, il était le premier à dire, à donner une telle interprétation. Donc, il a interprété tayran ababil par des microbes. Donc, il voulait une explication qui serait plus convaincante que celle qui était connue à l'époque et qui était ancienne. Donc voilà, en gros, pour Mohamed Abdou. Maintenant, pour la créativité de la pensée musulmane, pourquoi elle a-t-elle disparu? Et est-ce que c'est vrai que Al-Ghazali, peut-être on va revenir avec Al-Ghazali sur, en parlant de, pour parler un peu du soufisme, mais avant ça, il y a la fameuse Aqida Qadiriya, Al-Muqtadir Billah, Al-Qadir Billah, le calife abbasside, le calife al-Abbasi, le Qadir Billah, c'est la fameuse Aqida Qadiriya, en fait, qui avait interdit, d'une façon indirecte, interdit l'accès à la philosophie et la pratique de la philosophie. Quand on lit, par exemple, le Ibn al-Jawzi, le Muntarim, le Tariq al-Muluk wal-Umam, je lis littéralement, il dit حول العقيدة القادرية يقول فكتب خطه ستدعو الخليفة العباسي القادر بالله فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء وكتب الفقهاء خطوطهم فيه أن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر. دونك العقيدة القادرية ستي en fait une Aqida qui était fabriquée, fabriquée sur mesure sur l'idéologie ou les croyances des Ahlul Hadith, des Muhadithin spécialement. Donc c'était une Aqida pratiquement salafiste. Pour le soufisme, et je terminerai par ce point, le soufisme, moi ce que je voudrais dire par rapport au soufisme, c'est que bien que le soufisme, on est d'accord pour dire que le soufisme a été influencé par le christianisme, par le bouddhisme, par pas mal de courants religieux et philosophiques, mais il faudrait aussi dire que les soufis revendiquent la même légitimité que sur le plan religieux, ils revendiquent la même légitimité que celle des juristes, les fuqaha, et celle, c'est-à-dire la légitimité de la charia. Donc ils revendiquent la légitimité, la même que celle que la charia. Et c'est la légitimité de la voie qu'ils appellent la voie du batin, donc tariq al-batiniya. Et ils revendiquent cette légitimité à travers les mêmes chaînes de transmission, les asanides, qui sont utilisées par les juristes. Et ce sont des chaînes de transmission qui vont jusqu'au prophète. Mais on a assisté après la persécution qui a été subie par les persécutions qui ont été subies par les soufis, tels que Al-Hallaj, Suhrawardi, Nassimi, beaucoup de soufis ont été persécutés et même exécutés par les pouvoirs en place. Donc, après cela, les soufis ont conclu
ils avaient conclu une sorte de compromis, avec les juristes. Nous savons tous que l'islam soufi, il est né à Bassora, en Irak, à partir de la réaction de certains musulmans à la suprématie du droit sur la dimension spirituelle. Au départ, pour les soufis, le droit islamique avait pris, il considérait que le droit islamique avait pris le dessus sur la spiritualité. Au 9e siècle, Ahmed ibn Hanbal a lancé sa fameuse réforme contre les soufis et contre les rationalistes en général, Mu'tazila en l'occurrence, et contre toutes les autres manières de comprendre et de pratiquer l'islam, et que lui considérait comme étant des compréhensions et des pratiques qui n'étaient pas orthodoxes, qui étaient hérétiques, ou bien qui étaient tout simplement des déviations, c'est-à-dire bid'ah. Cette réforme conservatrice a réussi à s'imposer dans presque tout le monde musulman vers la fin du XIIe siècle. Elle a réussi à éliminer les rationalistes, c'est-à-dire les Mu'tazila, mais elle n'a pas éliminé les soufis. C'est là que les soufis avaient conclu une sorte de compromis entre eux et les juristes, selon lequel les soufis arrêteraient de dire aux musulmans que la pratique juridique en islam n'était pas importante, et les juristes de leur côté, fermeraient les yeux sur les pratiques soufis qu'ils considéraient aussi comme hérétiques, notamment le culte des saints et quelques pratiques ésotériques. Donc, cette coexistence entre les juristes et les soufis a duré longtemps et a donné la trilogie, la fameuse trilogie Al-Mutakallim, Al-Faqih, Al-Soufi. Et chez nous, au Maghreb, ça a donné Aqidat Al-Ash'ari, Fiqh Malik, et Tariqat Al-Junayd. Comme a dit Ibn Ashir, fi Aqidat Al-Ash'ari, Fiqh Malik, et Tariqat Al-Junayd. Et donc, voilà, et cette coexistence continue jusqu'à maintenant, parce que le soufisme, après, le soufisme a été institutionnalisé et il s'est transformé en toroq, c'est-à-dire en confrérie qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci, c'est assez riche comme observation. Bien sûr, le débat pourrait être interminable, et je voudrais juste ajouter en complément à ce que vous avez dit. Alors, concernant la laïcité, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut historiciser, c'est-à-dire il faut remettre les choses dans leur contexte historique. La laïcité est la modalité française de la sécularisation. La laïcité n'est pas un modèle universel. C'est le modèle français de la sécularisation. Il y a d'autres modèles de sécularisation. Juste peut-être, M. Hadi, est-ce que vous pouvez nous, pour les gens qui peut-être nous écoutent, qui ne font pas aussi facilement la différenciation entre la notion de laïcité, quand vous venez de rappeler que c'est lié un peu à l'histoire française, que c'est le formalisme de la sécularisation, donc qui est lié à l'histoire française. C'est quoi exactement la définition que vous donniez à la sécularisation? Alors, c'est une très bonne question. La sécularisation, c'est l'autonomie du politique. Ça veut dire que le religieux ne domine pas et ne légitime pas le politique. Et comme conséquence, à partir de là, la foi devient une affaire privée et non pas une affaire politique, institutionnelle et étatique. Et donc la sécularisation, pour résumer, c'est la séparation du politique et du religieux.
Et en séparant le politique et les religieux, il va y avoir des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est privé. Et la sécularisation n'est pas contre la religion, puisque le mouvement historique de sécularisation en Europe a commencé avec le protestantisme. Avec le protestantisme. C'est le protestantisme qui a donné naissance à la dynamique de sécularisation en Europe. Donc la sécularisation n'est pas contre la religion, mais la sécularisation, elle prend des formes différentes selon les pays. Exactement. Les États-Unis sont sécularisés, mais d'une façon différente de l'Allemagne, de façon. Alors, la laïcité, c'est la modalité française de la sécularisation. C'est vrai que la laïcité est agressive vis-à-vis de la religion. Mais pourquoi la laïcité est agressive vis-à-vis de la religion? C'est parce que la France, pays catholique, fille aînée de l'Église a toujours soutenu la monarchie. L'Église a toujours soutenu les forces, les courants conservateurs de la société. Et donc le mouvement républicain et les mouvements progressistes ont dû lutter pendant plus d'un siècle pour imposer la séparation du religieux et du politique. Et donc la laïcité française a été obligée d'être agressive vis-à-vis du catholicisme. Voyez-vous, c'est spécifique. C'est spécifique à la France. En Angleterre, ça s'est passé différemment. En Allemagne, ça s'est passé différemment. Et en Algérie, ça se passera différemment. Il y aura. Parce que la sécularisation est inéluctable. Pourquoi elle est inéluctable? Parce que dans la modernité, il y a deux mouvements qui sont liés et qui sont très importants. Premièrement, on rend public le pouvoir. Le pouvoir de l'État devient public, alors qu'au Moyen-Âge, il était privé, il appartenait à une aristocratie. Et la religion, la pratique religieuse, alors qu'elle était publique au Moyen-Âge, elle devient privée. C'est ça la sécularisation. Le pouvoir devient public, la religion devient privée. Et c'est pour ça qu'en Algérie, toute la structure politico-religieuse est pré-moderne, n'est pas moderne. Le pouvoir est privatisé par le commandement militaire et la religion est obligatoirement publique. Et d'ailleurs, le commandement militaire, le régime algérien, il utilise la religion quand ça l'arrange. Voyez-vous? C'est pour ça que l'Algérie n'est pas un pays moderne, n'est pas une société moderne. Elle est en train de se moderniser. Et s'il y a ce Hirak et cette contestation, c'est précisément parce qu'il y a des aspirations à la modernité. C'est la rendre public le pouvoir, il ne l'est pas aujourd'hui en Algérie, et rendre privée la religion. Elle ne l'est pas aujourd'hui. La religion est publique. C'est une affaire publique. N'importe qui peut vous dire ce que vous faites n'est pas conforme à l'islam. Ou encore, la religion, comme elle est publique, elle devient un élément de l'identité nationale. Pas un élément. Elle devient un élément constitutif de la citoyenneté. C'est comme si un non-musulman ne pouvait pas être algérien. C'est comme si un Algérien non-musulman ne pouvait pas être algérien. Mais quand c'est privé, ça n'a rien à voir avec la citoyenneté. Voyez-vous? Et donc, c'est ça la modernité, c'est ça la sécularisation. Et la sécularisation, on y va. Et la société algérienne est objectivement, sociologiquement, plus sécularisée qu'on ne le croit. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous dites bien que la sécularisation est en avance dans la société. La sécularisation sociologique est plus en avance que la conscience, que le discours. Voilà, c'est ce que L'être vous social, pour marquez dans reprendre le livre. des concepts de Marx, l'être social est plus en avance que la conscience sociale. OK. Voyez-vous? L'individu est né, l'autonomie individuelle, elle est née en Algérie. Ça, c'est sur la question de la laïcité. L'Algérie ne sera pas laïque, l'Algérie sera sécularisée. Maintenant, sur Abdou, ce qu'a dit Djabel Khair, bon, il a dit beaucoup de choses très intéressantes, et je voudrais en complément rappeler que
Mohamed Abdou est apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle en Égypte parce que il a senti deux dangers. Il a senti deux dangers qui guettaient l'islam. Le wahhabisme, Mohamed Abdel Wahhab, qui est un siècle antérieur à Abdou. Mohamed Abdou a senti que Mohamed Abdel Wahhab est un danger mortel pour l'islam. Pourquoi? Parce que Mohamed Abdel Wahhab a dit que toute connaissance qui ne provient pas du Coran est illicite. Haram. Et Mohamed Abdou était effrayé. Alors que l'Europe était en train d'inventer le moteur à explosion, l'électricité, etc., etc., voilà quelqu'un qui dit que toute connaissance qui vient après le Coran est illicite. Voyez-vous? Et Mohamed Abdou était contre cela. Et il était aussi contre la modernité ou la sécularisation que prônait Rifaat Tahtawi. Et donc, Rifaat Tahtawi, comme l'a rappelé Diable Khair, c'était un étudiant égyptien envoyé par Mohamed Ali en Europe. Il a donc fait des études et il a observé la vie sociale et politique, en France notamment. Et quand il est revenu en Égypte, il a écrit un ouvrage, il a écrit des articles pour dire qu'il faut séparer le religieux du politique. Et il disait, si nous sommes en retard, c'est parce que chez nous, la femme est dominée, c'est parce que la religion domine, etc. etc. Et donc Mohamed Abdou, lui, il voulait faire, il a rejeté et Tahtawi et Mohamed Abdel Wahhab. Et il voulait être Akhyar al-Omor fi awsatiha, comme on dit. Et donc, il voulait être au milieu. Et c'est ça l'ambivalence. Et il n'a été... Mais la principe, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, ce que Mohamed Abdou, et que je considère comme un très grand théologien, peut-être le plus grand théologien du monde musulman contemporain, il n'y a pas eu, je ne crois pas qu'il y a eu, après Mohamed Abdou, un aussi grand théologien, ce qu'il n'a pas vu, l'Europe a rompu intellectuellement avec la pensée médiévale. Et Mohamed Abdou, il pensait que nous nous sommes éloignés du Coran, nous l'avons mal compris, il faut revenir à une bonne compréhension du Coran, des Mu'tazila, des Salafs, etc., etc. Et non, c'était il n'avait pas vu que l'Europe galiléenne, newtonienne, cartésienne, kantienne, est une Europe qui a changé de paradigme. Et donc, c'est là où Mohamed Abdou exprime ses limites. Voyez-vous? Et il critiquait sans le nommer Razali, mais il ne le remettait pas en cause. Il ne le remettait pas en cause. Alors qu'il fallait remettre en cause Razali, surtout Ibn Taymiyyah, etc. Parce que, et là, pour revenir à ce que vient de dire Diable Khair, la théologie après le Razali, de mon point de vue, de ce que j'ai lu, a beaucoup décliné. Et je considère le Razali comme un très grand théologien, mais évidemment, aujourd'hui, il ne serait pas utile. Il faudrait des théologiens de la dimension de Razali, mais qui connaissent la philosophie moderne comme le Razali connaissait la philosophie grecque. Le Razali est complètement dépassé aujourd'hui. Bless you. Et donc, après le Razali, il y a eu Ibn Taymiyyah. Et après le Razali, après avoir interdit la philosophie, parce que la philosophie, elle introduit de la rigueur dans la pensée, y compris dans la pensée théologique. Et plus, puisqu'il n'y avait plus de rigueur de philosophie, eh bien, le discours théologique
n'a fait que répéter les commentaires des commentaires. Et il y a eu Ibn Taymiyyah, Tamim Taqat Azandaqa, il a combattu la philosophie. Hein? Pour lui, faire de la philosophie, c'est devenir athée. Et le disciple de Ibn Taymiyyah, c'est Mohamed Abdel Wahhab. La pauvreté intellectuelle flagrante. Voyez-vous, Mohamed Abdel Wahhab, quand il dit que toute connaissance qui ne vient pas du Coran est illicite, il y a un seul marasoul igoul atlobul im la ouafsen. Alors quand vous dites à un religieux atlobul im la ouafsen, il vous dit là atlobul l'im dini. Où est l'im dini fassen? C'était des païens pour l'islam, pour le monothéisme. C'est des bouddhistes, c'est des confucianistes, confucéens. Donc le hadith hada, il tnaoul l'ilm, machin l'ilm dini, le savoir profane. Et vous avez Mohamed Abdel Wahhab qui plusieurs siècles plus tard, il vous dit non, l'ilm haram l'ilm haram il a machin mounbafak min le Coran. Voyez-vous? Et donc, il y a eu une dégradation. Et Mohamed Abdou a essayé d'arrêter cette dégradation. Et pourquoi il y a eu la conscience de la Nahda? Parce que il y a eu l'expédition de Napoléon en 1798 et les théologiens égyptiens ont vu de visu, ont expérimenté directement la puissance et l'avance technique, scientifique et politique et militaire de l'Europe. Et donc, ils ont pris conscience de ce retard. Et c'est de là qu'est né la Nahda. Il fallait rattraper ce retard. Et pour Abdou, rattraper le retard, c'est revenir au vrai Coran. Et c'est quoi le vrai Coran? Rattraper le retard, c'est réintroduire la philosophie, faire appel aux sciences sociales, faire appel à la conscience et non pas à la raison. Voyez-vous? Et de mon point de vue, et je termine ce point avant de parler du soufisme, de mon point de vue, le retard du monde musulman est dû à l'absence de la philosophie. Parce que la philosophie, elle irrigue la culture des élites, la culture des classes moyennes, et elle influence aussi la culture d'une manière générale. La philosophie élève le niveau scientifique de la culture générale. Elle démystifie, la philosophie démystifie. Et évidemment, la philosophie n'est pas contre la religion. La philosophie n'est pas contre la religion. La philosophie, c'est un acte de pensée. Maintenant, le soufisme. Le soufisme, il ne provient pas comme l'avait écrit un penseur espagnol, Miguel de Palacio, en disant que le soufisme provient, c'est une influence chrétienne sur l'islam. Moi, je ne crois pas. Le soufisme, il vient de l'eschatologie biblique, donc de la structure dichotomique du monothéisme abrahamique. Donc, il y a des mystiques juifs, il y a des mystiques chrétiens, il y a des mystiques musulmans. Et les mystiques musulmans, leur origine vient du Coran. Voyez-vous? Et donc, jusqu'au 11e, 12e siècle, pour résumer, le champ intellectuel ou politique, non, religieux, intellectuel, dans le monde musulman, était traversé par trois courants. Le premier courant, le Mutakallimoun. Ce qu'on appelle Mutakallimoun, Al-Mukhassissin, fi ilm al-Kalam. Le deuxième courant, c'est le Falasifa. En fait, on les appelle Falasifa, mais en fait, ce sont des théologiens philosophes. Ou des philosophes théologiens. Et on peut revenir sur ce qui les distingue et ce qui les rapproche. Et le troisième courant, c'est les soufis.
Et donc, à partir du moment où la philosophie ou les falasifa ont été défaits par Mutakallimoun, le champ intellectuel religieux musulman était marqué par deux courants face à face, un Mutakallimoun ou ma'ahum taban al-fuqaha min jiha ou min jiha okhra al-sufiya al-tasawuf. Et al-tasawuf a gagné les masses. Al-tasawuf a gagné les masses populaires. Parce que les masses populaires, le musulman paysan ou là, qui vit dans la tribu, il veut vivre sa foi à travers une incarnation humaine. Donc le soufi, le saint, c'est plus ou moins la manifestation physique, matérielle de Dieu sur terre. Et ça, les oulémas et les fouqahs, ils sont contre. Alors le compromis, il y a eu un compromis effectivement, comme a dit Diable Khair, entre eux, parce que les Mutakallimoun ne pouvaient pas se débarrasser des soufis. Ils étaient trop nombreux. Le soufisme était enraciné dans la société, dans la culture musulmane. Alors ils ont tracé des limites à ne pas dépasser. Ils ont tracé des limites à ne pas dépasser. Ça n'empêche pas des gens qui m'a Ibn Taymiyyah ou qui m'a Mohamed Abdel Wahhab d'attaquer les soufis. Ibn Taymiyyah a attaqué de manière virulente Ibn Arabi, qui n'a pas compris d'ailleurs. Voyez-vous? Mais il n'empêche, s'ils sont arrivés à éliminer les philosophes, ils ne sont pas arrivés à éliminer les soufis. Et donc, mais le soufisme était implanté aussi dans les villes, évidemment. Mais il y avait peu de villes, notamment au Maghreb. Il y avait peu de villes par rapport, le monde tribal était numériquement plus important. Mais le soufisme est un phénomène tribal, c'est un phénomène rural. Et avec la domination coloniale, avec la colonisation, avec la déstructuration des tribus, avec l'exode rural, etc., le soufisme s'est affaibli sociologiquement. Et c'est là où la société, la culture musulmane, est en état de chantier. Il y a beaucoup plus de destruction que de choses qui sont restées en l'état. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes générations, les jeunes théologiens, reconstruisent une nouvelle théologie, une théologie moderne, à partir du Coran, une théologie moderne qui tienne compte des aspirations des jeunes à l'autonomie individuelle, à la liberté homme-femme, à la liberté de conscience. Et ce que je viens de dire, ces trois principes, sont compatibles avec le Coran. Voyez-vous? Le Coran, on l'a fait parler. On l'a fait parler. Ou hadith, c'est un mot de Ali Abi Talib. Le Coran ne parle pas, le Coran, on le fait parler. Eh bien, il faut faire parler le Coran différemment en fonction de notre histoire contemporaine pour ne pas continuer d'être en retard sur notre passé d'avant le XIIe siècle et en retard sur le monde qui nous entoure. Et donc, c'est pour ça que dans mon livre, je souhaite que l'on passe du paradigme platonicien, qui est un paradigme de l'Antiquité du Moyen-Âge, et qui est en crise, et qui n'est plus opératoire, au paradigme de Kant. Voyez-vous? Et le paradigme de Kant, c'est-à-dire la morale de Kant, la philosophie morale de Kant, est tout à fait compatible avec l'islam. Kant dit « il faut considérer, il faut prendre l'homme comme une fin en soi ». L'homme est une fin en soi. Dans chaque homme, il y a l'échantillon de l'humanité. C'est une fin en soi. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser un homme
pour une idéologie ou une idée ou quoi que ce soit. Parce que l'homme est au-dessus de tout. C'est confirmé dans le Coran. C'est confirmé dans le Coran. Voyez-vous? Et donc, moi je suis de ceux qui croient, et je le crois sincèrement, qu'une lecture moderne du Coran est possible. Maintenant, évidemment, il faut remettre en cause les intérêts symboliques d'une caste, la caste des oulémas, qui tiennent à l'ancien discours. Et ce même discours, il est en crise, y compris en Arabie Saoudite. Alors, évidemment, ce que fait Mohamed Ben Salman est très contestable, mais c'est une preuve que même en Arabie Saoudite, ce discours n'est plus de mise. Voilà ce que je voulais dire et j'espère, et je m'excuse d'avoir été un peu long. Bien, peut-être Saïd. Oui. Je voulais rebondir sur quelques points. D'abord, ce qu'on remarque, c'est que il y a un point commun chez les islamistes, c'est-à-dire les réformistes ou les réformateurs, surtout les réformateurs de l'école salafiste, c'est-à-dire l'Afrani, Abdul, Qasimi, Ibn Badis, Rachid Rida, Tahtawi, non, Abdelaziz Jawish. Donc, ce qu'on remarque chez cette école, c'est qu'ils sont unanimes, à ma connaissance, bien sûr, qui n'ont jamais dénoncé le wahhabisme, c'est-à-dire ils n'ont jamais dénoncé ouvertement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Abdi. Je pense que c'est Saïd qui a un problème de connexion. Un problème. Ouais, de réseau, peut-être. Saïd? Je ne sais pas, je pense que c'est un problème de connexion en Algérie. Saïd, vous êtes là? C'est quoi le déconnecté? Attends. Allô? Oui. On a perdu. Oui, d'accord. Donc, je reviens. Quand on lit les archives de Cheikh Ben Badis, et même de Cheikh Ibrahimi, et même de Cheikh Larbi Tbessi, Barak El Mili et les oulémas d'Algérie en général, on remarque qu'ils s'inscrivent dans le wahhabisme et ils ne trouvent pas de problème à se dire wahhabite. C'est-à-dire, Cheikh Ben Badis, mais un des choses qu'il a dit, il a dit, wahhabi ou l'achete Cheikh, au contraire, par exemple, le Cheikh Ibrahimi, il a dit, c'est un honneur. C'est-à-dire ils sont fiers de se dire wahhabites parce que les années 30, les années 40, les soufis en Algérie كانوا يقولوا على جمعية العلماء بلي وهابيين ou des fois كانوا allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Est-ce que possible de lancer la vidéo? On ne voit pas. D'accord. L'image. D'accord, voilà. Ça marche. Donc, quand ils disent qu'ils sont wahhabites, quand ils disent qu'ils sont abdawiyins, vous voyez un peu là, c'est-à-dire le paradoxe. Donc, les oulémas d'Algérie, جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين كانوا يشوفوا روحهم وهابيين وعبدويين c'est-à-dire ils s'inscrivaient en même temps dans la pensée de Mohamed Abdou et dans la pensée de Mohamed Ben Abdel Wahhab sans y voir c'est-à-dire de contradiction. Pour eux ce n'était pas contradictoire d'être en même temps wahhabite et en même temps abdawi. Et c'était le cas aussi pour Mohamed Rachid Rida. Mohamed Rachid Rida était wahhabite dans le sang. D'ailleurs, on sait, tout le monde sait que les frères musulmans, Hassan al-Banna, c'est le disciple de Rachid Reda, les frères musulmans ont toujours été les alliés du wahhabisme jusqu'à dernièrement, jusqu'à ce que le Qatar
et voulu prendre la place de le rôle du royaume de l'Arabie Saoudite. Et c'est de là que, à partir de là, qu'a commencé la fracture politique et politico-religieuse entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite. Sinon, avant, ils étaient de très bons amis. D'ailleurs, quand les frères musulmans ont été persécutés par Abd al-Nasser les années 50, ils sont allés où? Ils sont allés, ils ont été accueillis en Arabie Saoudite. Ils sont allés enseigner là-bas, ils sont allés vivre là-bas. Donc, tout le monde, les Razali, les Mohamed Qutb, les Jerisha, les Ali Jerisha, tous ces, j'en oublie bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et quand ils ont été persécutés par le nasserisme en Égypte, ils ont rejoint l'Arabie Saoudite, ils ont été accueillis à bras ouverts et ils ont eu très vite des postes dans les plus grandes universités de pratiquement presque toutes religieuses en Arabie Saoudite pour en tant qu'enseignants. Donc, c'était juste pour dire que encore Mohamed Abdou, quand il dit par exemple, Mohamed Abdou, quand il nous dit que l'islam n'est pas contre la science, il est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire sur le plan théorique, mais sur le plan historique, les savants musulmans ont presque tous, pas carrément tous, ils ont été exclus de la sphère de l'islam, ils ont été excommuniés. Kafrom, Jabr ibn Hayyan Kafro, c'était un chimiste, un alchimiste, si vous voulez, ou un chimiste. Kafro, Ibn Sina, nefsou, les philosophes, Kamel Kafrohom, bon, ça on le sait, mais je parle des scientifiques tels que, par exemple, Jabr ibn Hayyan, Zahraoui, Ibn Nafis, et d'autres aussi. Au plan historique, les savants de l'islam, les savants musulmans, si vous voulez, n'étaient pas très bien vus par les juristes. Ils étaient même c'est-à-dire, très mal vus par les juristes. Maintenant, s'agissant, encore une fois, les soufis, ils étaient très mal compris. Très, très mal compris. Par exemple, prenons l'exemple de Mohamed Abdou, par exemple. Revenons à Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, qui était un très grand juriste, un très grand théologien, min akbar ulama al-Azhar. Mais Mohamed Abdou, dans ses mémoires, il reconnaît qu'il n'avait jamais compris Ibn Arabi. C'est-à-dire Ibn Arabi n'était pas compris l'Azhar. محمد عبدو يقول له محمد عبدو اللي كان يشرح عنده شرح على المدونات صديق على المتون المعقده تاع الكلام علم الكلام كما المتن تاع الايجي تاع المواقف عنده هو حاشيه تعليق على المواقف مش اي واحد يعلق يدير تعليق ان كومونتير سور ان تكست اوسي كومبليكي كو سولوي دو الايجي المواقف تاع الايجي اي سيتي ان تكست كي تي programmé qui était c'est-à-dire programmé dans les cours de l'Azhar de théologie. Et pourtant Mohamed Abdou il ne comprenait pas Ibn Arabi, il n'a jamais pu comprendre les Futuhat al-Makkiya d'Ibn Arabi. Il dit حتى جاء السيد جمال الدين الى مصر وقريت عليه قرا عليه الفتوحات شرح له الفتوحات. Alors que chez nous Amir Abd al-Qadir كان يفسر Ibn Arabi. أمير عبد القادر في الجزائر كان يفسر كان يشرح ابن عربي ومعروف الكتاب تاعو المواقف اللي يشرح فيه الفتوحات المكية تاع ابن عربي. دونك لا اون ريمارك كان ميم لو صوفيزم في المشرق اللي تي اللي تي تري مال كومبري على ليبوك دو الاصلاحيزم بيان سور على ليبوك دو عبدو. ماتنو الاصلاح بوكوا الى ايشوي الاصلاح L'islam dans le sens salafiste. Hein. Pourquoi il a échoué? Il a échoué en gros pour deux raisons. La première, c'est que il n'était pas, c'est-à-dire il n'avait apporté aucune réforme par rapport au salafisme, c'est-à-dire à la théorie du salaf,
qui considère que le savoir des salafs est une vérité absolue et que les musulmans, quelle que soit leur génération, quelle que soit la génération, s'ils voulaient chercher la vérité, ils devaient la chercher chez les salafs. عن التاريخ حوس على الحقيقة الدينية يقدرش يلقاها إلا عند 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 السلف، car ce sont eux qui détiennent la la vérité religieuse dans le sens absolu et le savoir leur savoir étant étant parfait. Donc هذه النظرية نظرية السلف اللي يعرفوا كل شيء فهموا كل شيء وما يقدروش يغلطوا وأي واحد يحب يفهم حقيقة دينية لازم يرجع لهم. هذه النظرية cette théorie n'a pas été contestée par l'école abdawi l'école, la madrasa al-Abdawiya, la madrasa al-Islahiyya, ta'abdout, al-Afghani, etc. Premièrement. La deuxième chose, c'est que c'est aussi la théorie du Coran incréé, c'est-à-dire du Coran qui est en dehors de l'histoire. Le Coran, les kharij al-tarikh al-nas, les hadar al-liha. C'est pratiquement toutes les œuvres de Arkoun, de Mohamed Arkoun, concernaient cette théorie, c'est-à-dire le Coran incréé. Le Coran, le Shimakhlouk. Donc, c'est-à-dire, exactement. Donc, c'est une théorie qui n'a pas été aussi contestée par l'école salafiste islahiste. Ma'am, alors que القرآن كان يخاطب العصر نتاعو داخل الابستيمي تاع العصر هذاك داخل الإطار المعرفي تاع العصر تاع الظهور نتاعو il ne pouvait pas faire autrement ما كانش قادر يدير خارج هذاك الشيء كي شغل يجي واحد يقول لك انا دركا لي غريك يوتيليزي لينيرجي نوكليير مي ما كانتش معروفه في وقتهم لي غريك نوري جامي بي يوتيليزي لينيرجي نوكليير ما كانتش معروفه في وقتهم دونك كيف القران يخاطب الناس النصوص النص الديني في كل ديانه يخاطب الناس في حسب المنظومه المعرفيه نتاع زمنهم تاع هذاك الزمن ماشي تاع الازمنه اللي جايه من بعد سي بور سا كو à mon avis سي بور سا كو ليكول هذه الا دونك الا ايشوي ما راحش اون فيت انا با توتالمون ايشوي مي شغل النهاية نتاعها المصب نتاعها النهاية نتاعها elle a fini dans la ligne des frères musulmans c'est-à-dire dans une ligne ihyaïste بدات إصلاحية وانتهت إحيائية انتهت بالأسئلة تاعها تغيرت من بعد ولات la question n'était plus comment moderniser les musulmans mais comment restaurer le califat كيفاش نعاودوا نرجعوا الخلافه والجهاد وهذيك الامور اللي يتكلم عليها حسن البنا في الرسائل تاعو الى اخره voilà ce que en gros ce que je voulais juste faire des remarques assez courtes et on donne la parole aux auditeurs je considère que Mohamed Abdou enfin j'essaie de le montrer dans mon livre il a échoué dans la mesure où son disciple principal, Rachid Rida, est devenu wahhabite. Et je maintiens que Mohamed Abdou n'était pas wahhabite. Mohamed Abdou est très poli, il n'attaque jamais les gens, mais il conteste les idées. Il a contesté les idées de Mohamed Abdel Wahhab, il a contesté les idées de Al-Ghazali, mais il n'a jamais donné leur nom, il ne les affronte pas. Il ne les affronte pas. Et donc, beaucoup de gens considèrent que Rachid Rida a trahi la pensée de son maître. Et c'est lui qui a eu la charge d'éditer les œuvres posthumes de Mohamed Abdou. Et donc, pourquoi il y a eu, c'est mon point de vue, pourquoi il y a eu cet alignement de disciples de Mohamed Abdou, des disciples culturalistes, sur le wahhabisme. Ils n'ont vu qu'une seule chance dans le wahhabisme. Les wahhabites étaient anti-soufis et les nahdaouis étaient anti-maraboutiques. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, et ce que même les wahhabites n'ont pas vu, c'est que le soufisme est l'âme même de l'islam parce que si on dénie le droit d'exister aux soufis,
on dénie la spiritualité. Or, la religion, toute religion est spiritualité. Il y a un soufisme juif. Il y a un soufisme chrétien, il y a un soufisme musulman, évidemment. Alors, revenons à Al-Ghazali. Al-Ghazali était contre la science aristotélicienne. Et j'ai cité dans mon livre des passages de ses écrits où il critique même les mathématiciens. Il y a eu une position anti-scientifique dès le 11e, 12e siècle. Bon, c'était déjà, ça existait déjà avec Ibn Hanbal. Mais avec le Ghazali, c'est devenu, ça a été théorisé. Et donc, Mohamed Abdou a essayé de contrer cette tendance, mais il n'est pas arrivé. Il a échoué. Maintenant, je voudrais dire un mot sur le Salafia. Le Salafia, le premier qui a utilisé ce concept, c'est Ibn Hanbal. Il l'a utilisé pour discréditer, pour interdire le recours aux philosophes grecs. Parce que avec le Kindi, avec le Mu'tazila, avec Ikhwan Safa, on citait les théologiens, les philosophes théologiens citaient Aristote, Platon, Pythagore, ils les citaient comme si c'était des prophètes bibliques. Et Ibn Hanbal était contre, il disait, mais Platon, Aristote, c'est des païens. Ce n'est pas des monothéistes, c'est des païens. Donc il ne faut pas les citer. Il faut citer les salafs. Et de là est né le salafisme. Mais le salafisme n'est pas une doctrine. Parce que n'importe quel musulman peut se réclamer, peut se dire salaf. C'est quoi salaf? C'est respecter les ancêtres. Et encore, salaf, ça veut dire juste les ancêtres. Mais qui? Quelqu'un au XIIIe siècle, il peut être un ancêtre. Mais bon, on a convenu que les ancêtres, c'est la première génération du prophète. Mais qui est le musulman qui ne suit pas ou qui ne veut pas suivre la génération du prophète? Donc, la salafia, c'est juste une invention idéologique pour accuser les autres de ne pas suivre la ligne, les compagnons du prophète. Mais salafia n'est pas une doctrine. Ce n'est pas le wahhabisme, ce n'est pas l'ash'arisme, c'est juste une auto-valorisation. Moi, je suis salafi. Moi, je suis la génération du prophète. Mais toi, tu t'écartes de la génération du prophète. C'est pour ça que ce n'est pas une doctrine. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une doctrine, la salafia. Voilà, ben, écoutez, merci. Et là, on attend les questions des auditeurs. Donc, peut-être avant de lire les questions des auditeurs, moi, j'ai une question par rapport à ce que vous dites. Pour moi, c'est l'une des questions centrales de votre livre. C'est par rapport à la notion de la crise de la culture musulmane. Vous parlez, vous situez bien la crise au niveau de la culture de la société musulmane et pas dans l'islam. Donc, qu'est-ce que vous entendez par cette différenciation? Donc, parce que l'islam n'est pas interprété dans son environnement où la crise elle est plus liée à la question culturelle des pays musulmans. Ce que j'essaye de dire à travers cela, et ça à la lumière de la sociologie et de l'anthropologie religieuse, Durkheim, Weber, Clifford Geertz et d'autres, la religion est toujours vécue dans une culture. Elle est toujours vécue dans une culture. Et je tire comme conclusion que ce n'est pas une crise de l'islam, ce n'est pas une crise de la foi, c'est une crise de la culture qui porte cette foi et qui porte cette... Voyez-vous? Et, et pour moi, bon, on peut en débattre, c'est une illusion de dire que la religion domine en Algérie. Moi, je dirais que c'est la culture de l'Algérie ou la culture du Maghreb ou la culture du musulman d'aujourd'hui qui domine la religion. Voyez-vous? Et donc, c'est notre arriération culturelle qui fait que
nous avons une pratique arriérée de la foi, mais avec une autre culture, une culture qui accepte l'égalité homme-femme, une culture qui accepte la liberté de conscience, la religion s'y adaptera. Donc, l'intolérance, et là peut-être que je vais susciter des réactions défavorables, moi je trouve que l'intolérance vient de notre société et non pas du livre sacré. Alors vous allez me dire, mais il y a des versets intolérants dans le livre sacré. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des versets qui les contredisent. Et le fait qu'on choisisse les versets de l'intolérance veut dire qu'on est intolérant. Parce que si on n'était pas intolérant, on aurait choisi la Ekrafeddin. La Ekrafeddin, la Défaite 1. Voyez-vous, comme je l'ai dit un jour dans une interview, il y a un verset qui appelle à tuer durant le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan les kofars, les juifs, les chrétiens, etc. Alors, moi j'habite à Lyon et j'ai un voisin français qui est chrétien, d'origine, je suppose qu'il est d'origine catholique, et avec qui j'ai de bonnes relations. Alors, si je respecte ce verset, je dois le tuer. Mais il y a un autre verset qui dit la Ekrafeddin. Donc, je ne dois pas le tuer, je dois le respecter. Donc, quel verset je suis? Eh bien, à mon niveau, et tout le monde le fait, ça c'est une règle universelle. Eh bien, on abroge. Ce que les musulmans d'aujourd'hui font, ils abrogent les versets de paix, les versets humanistes, par les versets intolérants, par les versets qu'on appelle les versets du sabre. Voyez-vous? Et donc, mais ça, c'est la culture. C'est la culture qui choisit les versets. Il y a des versets qui tombent en désuétude. Et c'est vrai aussi pour la Bible, pour la Torah. C'est la culture qui les fait tomber en désuétude. Voyez-vous? Aujourd'hui, en Algérie, qu'on le veuille ou non, j'en suis convaincu, un Algérien moyen n'accepte pas l'idée de l'esclavage. Il n'accepte pas. C'est inhumain, c'est indigne, etc. Et bien pourtant, l'esclavage n'est pas interdit par le Coran. Voyez-vous, les versets sur l'esclavage sont tombés en désuétude. Couper la main aussi, quand vous dites... couper la main. Mais bien sûr. Mais là, sur couper la main, le professeur Shahrour a bien expliqué que ce n'est pas... c'est pas automatiquement. Si un voleur, il se repent, il demande des excuses, on ne lui coupe pas la main. Et couper la main, c'est la limite extrême. Ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre cette limite. Voyez-vous, Omar al-Khattab, il a suspendu ce verset. Omar al-Khattab, il a suspendu un autre verset. Il y a des femmes musulmanes qui sont venues se plaindre à lui quand il était calife et ils lui ont dit les musulmans se marient avec des chrétiennes et des juives et nous, on ne trouve pas de mari. Alors, il a suspendu le verset qui autorise les musulmans à épouser des juives et des chrétiennes. Donc voyez-vous, c'est une culture, c'est une prédisposition d'esprit. Donc, le Coran n'est pas aussi rigide que le dit la théologie musulmane en crise après le 12e siècle. Et je ne parle pas des Mu'tazila, des Ikhwan Safa, de Ibn Rushd. Ibn Rushd, il dit, la révélation coranique n'est pas contraire à la raison. Et la raison n'est pas contraire à la révélation coranique. Et quand il y a contradiction, eh bien, on interprète la révélation coranique sur la base de la raison. Voyez-vous que c'est possible d'être musulman et moderne. C'est possible. Mais ce n'est pas possible d'être musulman médiéval et vivant aujourd'hui au XXIe siècle. C'est le problème, c'est l'islam médiéval. C'est pas l'islam. C'est ce que vous rappelez dans votre livre. La culture médiévale. Peut-être c'est ce que vous rappelez dans votre livre quand vous parlez de la sacralisation du commentaire sur le Coran. Bien sûr. Dans cette période qu'on a sacralisé le commentaire, qu'on n'a pas pu. On a sacralisé le commentaire. On a sacralisé Ibn Taymiyyah. On a sacralisé le Razali. Je vais vous dire même plus. On a même sacralisé
le prophète. Alors que le Coran, il dit le prophète est une personne ordinaire. On l'a sacralisé. Et on a fait de ces hadiths, dont les 90% sont apocryphes, il ne les a jamais dit, on en a fait une source comme le Coran. On a sacralisé. C'est-à-dire, je vais vous étonner, ce qu'ont fait les théologiens, ils ont christianisé l'islam. Parce que c'est dans le christianisme que Moïse est sacré, que Jésus-Christ est sacré. C'est le fils de Dieu. Or, l'islam est venu pour rectifier cette donnée. Non, il dit Jésus-Christ, ce n'est pas Wild Maryam ou la Kimashi Wild Allah. Là, ou même le Qadshouj, mais qu'est-ce que le Qadassa dans l'islam? Ou Qaddisna, hatta Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Qaddisna. Et ça, c'est une, comme le dit Shahroul, c'est l'influence chrétienne sur les théologiens. C'est pour ça que le Coran peut tout, parce que le Coran est plastique. Le Coran peut tout à fait s'adapter à la vie moderne et aux conceptions de la philosophie moderne. Très bien. Voilà, d'autres questions? Saïd, peut-être une question? Sinon, je... Moi, j'ai un petit commentaire par rapport au deuxième calife et par rapport à Mohamed Shahrouf. Donc, si vous voulez. En fait, le deuxième calife, Omar ibn Khattab, il a suspendu plusieurs versets du Coran. Par exemple, ce... Nas li qult al-mu'allafati qulubuhum. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا المؤلفة قلوبهم c'est les gens à qui on donnait de l'argent du vivant du prophète, on leur donnait de l'argent ou bien du bétail, etc. pour les rapprocher de l'islam. هو قال maintenant on n'en a plus besoin. هاد الناس ما نحتاجوش محتاجينهم. Donc l'islam راه قوي نحتاجهم. Donc on va éliminer, on va suspendre النصب تاعهم في ال pourtant مكتوب في القرآن النصب تاعهم المساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. Il a suspendu هذا والمؤلفة قلوبهم. Il a suspendu aussi le verset تاع المتعة. فما استمتع سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. Il a suspendu, il a interdit le متعة. Alors que كاين صحابة خالفوه كما أنس كما ابن عباس كما شحال من صحابة كاين ثلاثة ولا أربعة خالفوه صحابة مشهورين خالفوه في هذا الموضوع. Mais il a quand même suspendu. Il a suspendu le verset de la main coupée du voleur. Omar ibn Khattab a laqha ce nas et a dit ana ma n'amelch bih parce que sarat maja'a fi al-Madina, il y a eu une famine en Médine, les gens wallaw ma andhomch chakoul, etc. Évidemment, les gens étaient bien obligés d'aller se débrouiller pour manger. Donc il y en a qui volaient. Alors lui, il a suspendu هذا الحد حد القطع دار له تعليق c'est-à-dire دار له une suspension. Il a suspendu aussi par exemple le كاين نصوص متعلقه بالميراث مثلا. Par exemple قضيه العول اللي صرات في وقته كانت ثاني مشكله و تدخل فيها ابن عباس اتسيرا باسكو كاين بعض الايات تاع المواريث كي بداو يقسموا في بعض الحالات يبقى لهم سيغبلو التقسيم ما يخرجش زيرو ما يخرجش ايغال ا يخرج دائما زياده. الوغ ظهرت مساله العول ما يعرف في الفقه بمساله العول في زمن الخليفه الثاني وتدخل فيها ابن عباس الى اخره وقولها الى اخره من بعد قولها حل بعض الفقهاء والصحابه في ذاك الوقت وقولها حل. وكاين بزاف ناس دخلوا يورثوهم وهم ماشي مذكورين في سوره النساء. نذكر لكم نسمي لكم مثلا بعض الامثله مثلا بون الوغ ايه مثلا عندك 10 كاين 10 10 عباد 10 اصناف تاع الاقرباء تاع الاقربين لي بارون فلي لي بروش qui ne sont pas cités dans le Coran comme étant des héritiers, mais que le fuqaha ou le sahaba ont بعد ورثوهم مثلا بابت الام والجد والجده اولاد البنات بنات الاخوه اولاد الاخوات اولاد الاخوه للام بنات الاعمام والعمات والخالات الى اخره. دونك هذو كامل
مثلا هذويا الامام بعد اختلفوا فيهم، الامام مالك والشافعي يقول ما يورثوش، نفس الراي تاع ابو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والزهري والاوزاعي وداود، بصح ابو حنيفه واحمد يقول يورثوا، يقولوا يورثوا. سي دي زاميك تو تافي كونتراديكتوار. بورتون هذوما كامل ماشي مذكورين في ايات المواريث تاع سوره النساء. على يقول لك بعد ذلك بعد هما يقولوا يستدلوا يقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، القران فيه كلش. الوغ هذا علاش زدتهم؟ على ورثتهم؟ الوغ كنتوا تكتفيوا بمن ذكرتهم ايه النساء في الميراث، ما تزيدوش عليهم واحد اخرين. الوغ من بعد الفقهاء زادوا، واللي ثاني اللي قالوا ثاني باللي هذو الناس يورثوا يروى ثاني عن علي وابن مسعود وابن عباس. دونك هذوما يسموهم اصحاب، هذو يسموهم العصابه، هذو ماهمش اصحاب الفروض، ماشي مذكورين في سوره النساء، ولكن يسموهم العصابه، سي تادير كومام. علاه؟ باسكو من بعد صراو يافي دي كا في عصر الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، يافي دي كا وين بين هذوك المذكورين في آية النساء ما كانش كاين واحد اخرين، هذا كيحوسوا على الورثه اللي مذكورين في سوره النساء، ما كانش الاب الام والاخت كاع ما كانش، مي كاين واحد اخرين اللي يسموهم العصابه، سيتادير سي دي بارون ان بو لوانتان. الوغ اختلفوا يورثوهم ولا لا، مي مادام ماشي مذكورين في سوره النساء اسكو يورثوا ما يورثوش، اختلفوا بعضهم قال يورثوا بعضهم قالوا ما يورثوش. دونك il y a eu ce qu'on appelle des textes qui ont été suspendus, il y a eu aussi des textes qui ont été carrément abrogés. نسخت يعني نسخت لم تثبت، ماشي موجوده اصلا في المصحف، كاين نصوص قرانيه نسخت اليوم ماشي موجوده. اي لا هنا نجي لمحمد شحرور. محمد شحرور كما يقول الهواري في كتابه، يقول شحرور affirme que la langue arabe dans laquelle a été révélé le Coran est une langue construite sur la structure sémantique des mots et non sur leur précision lexicographique. Ceci constitue une richesse linguistique qui donne la conclusion que tire l'auteur, c'est-à-dire Shahrour, et que si on ne maîtrise pas parfaitement la langue du Coran, on ne peut pas comprendre les sensibilités les subtilités que le tafsir classique n'a pas perçues. Bon, parce que Shahrour fait dernier les nidoif le jamaat bouzriat a fil souya وفيه بزاف كلام اللي نتكلموا عليه، مي نلخص في جوي ريزومي. دابور محمد شحرور انا عندي شويه عليه انتقادات، بيان كو ثاني هو دار خدمه كبيره، وباش نفهموا محمد شحرور كان عنده دور كبير في لا ديغاديكاليزاسيون دي لا جونيس مسلمان، يعني الشباب المسلم كان بزاف اللي تاثروا به، وكان الاثر تاعو كان بوزيتيف وكان مليح. Ça, personne n'en doute, et pour ça, c'est-à-dire il a tous les mérites. Donc, c'est-à-dire il fait en fait la théorie, il verse beaucoup plus dans l'idéologique que dans le cognitif, le ma'rifi ou le janib ma'rifi. Il met l'accent. حاجة الأولى سيك هو إن في دو ليستواغ دو تكست إي دو لا جونيس دو تكست كورانيك، ما يهدرش على تاريخ النص، ياخذوا يبخون لو تكست كوم إيتون أون دوني أبسولو وينطلق منه كمعطى مطلق، إي سا سي ديجا أن بروبليم. النقطة الثانية هو يقول لنا باللي لو كوران عنده منطق داخلي وعنده قاموس نتاعو داخلي. Oui, mais alors, les premiers versets, qui fait-ce qu'il y a les premiers versets de l'Inizlo, dans Mecca, les tout premiers, où est le lexique, quand il y a un vocabulaire, il y a un dictionnaire, et il y a un hala. Donc, il y a un domaine de l'Inizlo, 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 quelques versets au départ à la Mecque, quand il y a un domaine de l'Inizlo. Donc, il y a un domaine de l'Inizlo, un domaine de l'Inizlo, كان لازم ينزل معاه، ما يعطيهمش ما ينزلش دو مانيير فراغمونتي كوم إلا إيتي لو كا. هذه واحدة أخرى، أون دوزيام بوان. تخوازيام بوان، هنا سا أوسي سي تخي إمبوغتون،
l'incompréhension du texte par tous les anciens musulmans qui m'ont dit que les musulmans ne comprennent pas. Il y a 14 ans, ils ne comprennent pas les musulmans. Mais dans ce cas, on a un très grand problème, un problème de, par rapport à la théologie et un problème de conscience aussi. Car comment Dieu aurait-il permis tous les dépassements qui ont été commis durant plus de 14 siècles au nom de la charia que Shahrour considère comme étant aujourd'hui comme étant force, c'est-à-dire je dis qu'il y a charia li hadra ala al-Qur'an مثلا Shahrour يقول لنا بلي la main coupée ce n'est pas la main coupée, يقول لك القطع ماشي قطع ماشي معناتها تنحي له يدو بصح المسلمين في 14 قرن فهموها قطع فهموها بطر ما فهموهاش كما فهمها شحرور. شكون يتحمل مسؤولية هذا التشويه اللي صرع للبشر؟ الوغ كو المسلمين متفقين من القرن الأول عندهم قاعدة، الفقهاء عندهم قاعدة مشهورة يقول لك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. صدير الشارع صدير لو ديو ما عندوش الحق باش يأخر البيان، ما يديرهاش، ما نقولوش ما عندوش الحق، صدير ما يليقش بالمقام الإلهي، ولكن نقولوا لا يليق بمقام الألوهية أن الله يؤخر البيان لأهل الدين عن وقت الحاجة. هم محتاجين، كيفاش الناس يديهم تقطعوا 14 قرن والناس والدماء تسيل والناس يتشوهوا بهذه الطريقة والله ساكت وما بينش للناس بلي يودي القطع اللي راني قصده أو ما وش هذا اللي فهمتوا أنتم سي أوتر شوز. دونك يفالي كي لو إكسبليك، يفالي كي كالكا إكسبليك. Maintenant, si personne n'a expliqué, personne n'a donné l'explication que donne aujourd'hui Shahrour, ça voudra dire que Hadaya, c'est un néologisme, un terreau, l'Ijabou, et qu'il n'a pas de base dans les textes, c'est-à-dire proprement dit, et dans l'explication, l'interprétation, l'Ideruha, l'Oulin, c'est-à-dire l'Oulim Shawaliha. Parce que là, il ne s'agit pas que de mariage ou là de divorce ou là de partage de l'héritage ou la même chose. بعد هنا تدخل فيها الدماء الحدود هذه les châtiments corporels etc. هذه تدخل فيهم دماء الناس، تدخل فيهم أعراض الناس، تدخل فيهم حقوق الناس وحياتهم. هذه مش لعب. دونك هنا الشارع عندوش الحق باش يأخر هذا بيان خطير كما هذا، يأخره 14 قرن هو ساكت، ما قالش باللي يودي القطع اللي قلت عليها انا ماهوش اللي فهمتوه، اللي فهمتوه انتم. دونك فوالا فوالا هذا واش حبيت نقول محمد شحرور. ابار سا مانيفيك، ابار سا لو ريست اللي بيان، صدير الشيء اللي يقولوا شحرور الى يو ان ايكو دي زيكو تري بوزيتيف Ok, donc peut-être j'ai une autre question pour M. Addi, c'est que c'est le cœur de votre livre, c'est que la question est toute simple, comment on peut passer de cette culture de Platon vers la culture de Kant, enfin vers le... J'ai compris que Nahda n'a pas fait cette synthèse et ce passage qu'a fait l'Europe, de faire le passage de Platon vers Kant, que nous n'arrivons pas à faire ce passage. Donc, comment vous voyez? J'ai compris. Non, d'abord, c'est un travail, c'est pas une décision administrative et on va avoir le résultat en 48 heures. Moi, je pense qu'il faudrait inculquer, enseigner la philosophie moderne et les sciences sociales dès les lycées. La philosophie, elle est enseignée, mais elle est mal enseignée. On fait comme s'il y avait une philosophie musulmane et il y avait une philosophie occidentale. Alors que la philosophie musulmane est à l'origine de la philosophie occidentale moderne. Puisque tout à l'heure, j'avais dit, Ibn Rushd, il est à l'origine, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hegel, c'est des spécialistes européens qui reconnaissent la dette qu'ont les Européens à la philosophie moderne occidentale vis-à-vis des philosophes musulmans. Et donc, il faut enseigner la philosophie moderne. Il faut libérer le champ du débat démocratique. Il faut élever le niveau de culture scientifique de la population.
par des débats dans les journaux, par la création de revues, par l'édition, et c'est un travail. Je pense que si on l'investit, on s'y investit, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura le résultat. Il faut cesser de voir tout ce qui vient de l'Europe est mauvais. Tout ce qui vient de l'Europe est mauvais. Non, l'Europe fait partie de l'humanité, nous faisons partie de l'humanité. Le musulman n'est ni supérieur au chinois ou à l'américain, ni inférieur. Et donc, ce qu'ils ont créé de bien, il faut l'importer. Et ce qu'ils ont de mauvais, il ne faut pas l'accepter. Et donc, l'Europe, ils ont créé l'état de droit. Ils ont la philosophie moderne. Donc, il ne faut pas hésiter à. Il faut étudier l'expérience européenne. Moi, je souhaite que dans les universités algériennes, il y ait un département d'études des sociétés américaines, Amérique Sud et Amérique du Nord, un département des études des sociétés européennes. Il n'y en a pas. Alors que vous allez aux États-Unis ou là en Europe, il y a des départements sur le Moyen-Orient, sur le monde de l'islam, etc. Et il faut qu'on s'ouvre et il faut s'ouvrir à la culture moderne. Et c'est pour ça qu'il faut changer de régime, parce que le régime actuel, les régimes autoritaires du monde arabe ne peuvent pas se permettre ces ouvertures. Et donc, il faut créer des citoyens, quand je dis créer, il faut éduquer les jeunes générations à la citoyenneté, à la réflexion. C'est tout un programme, mais ça ne peut pas se faire dans le cadre d'un régime autoritaire comme on en a dans les pays arabes aujourd'hui. Très bien. Donc, pour vous, voilà, on revient toujours aux fondamentaux. Donc, sans démocratisation des régimes, on ne peut pas aussi libérer les consciences et les individus. Donc, c'est toujours le. Écoutez, j'ai commencé par dire que la modernité, l'expérience européenne est à étudier. La modernité, l'expérience de modernité en Europe, elle a commencé par la déprivatisation du pouvoir de l'État. Si on ne déprivatise pas le pouvoir, on va pas avancer. On va pas avancer, la société n'avance pas. Le goulet, même pour le développement économique, le frein, le goulet, c'est le politique. Exactement. Prenons le cas des pays pétroliers, et notamment de l'Algérie. Nous avons eu des milliers de milliards de dollars. On est encore un pays sous-développé, économie sous-développée. Pourquoi? Parce que c'est la question du politique n'a pas été réglée. Si on ne règle pas la question du politique, la question institutionnelle, on ne peut pas avoir un développement économique. Comme on ne peut pas aussi avoir un développement culturel. Voyez-vous? Parce que les régimes autoritaires, ils cherchent des soutiens dans les franges les plus conservatrices de la société. Voyez-vous? Et donc, ils ne veulent pas de changement. Donc, c'est pour ça qu'il faut démocratiser. Et une fois qu'on démocratise, ça ne veut pas dire que tout va être réglé. Si l'Algérie devient un pays démocratique, il va y avoir la liberté d'expression dans le débat, il va y avoir des confrontations idéologiques, mais pacifiques. Pacifiques. Le monopole de la violence appartient à l'État. Et là, moi, je pense que en 20 ans, 30 ans, il y aura un progrès constatable. Mais tant que le politique reste bloqué, il n'y aura aucun progrès, ni en économie, ni dans la culture. Ok, peut-être juste avant de revenir à Monsieur Djabelkhir, dans le même ordre d'idée, donc j'ai lu pas mal de vos contributions, où la question c'est par rapport à l'islam politique. Donc beaucoup de personnes disent, voilà, s'il y a une ouverture ou une forme de démocratisation, eh ben, c'est l'islam radical qui peut-être arriver au pouvoir et il y aura fermeture définitive. Donc, alors que peut-être vous pensez que l'ouverture démocratique, au contraire, va participer à l'émergence peut-être des courants
comme la démocratie chrétienne en Europe. Donc voilà, l'islam politique va rentrer aussi dans la modernité. Donc. Tout à fait, tout à fait. L'islam politique est apparu parce que dans notre société, pour des raisons historiques, on ne différencie pas le politique du religieux. Et donc, l'islam politique, il veut que le politique soit dominé par le religieux. Mais cette tendance est une tendance qui forcément va perdre du terrain si on ouvre. Et le fond du problème, et c'est une très bonne question que vous avez posée, le fond du problème, ce n'est pas qu'il faut éliminer les islamistes. D'abord, ce n'est pas possible et ce n'est pas démocratique. On ne peut pas, un démocrate ne peut pas demander à un islamiste de ne pas être islamiste. Ce qu'il peut demander à un islamiste, c'est de le respecter en tant que personne et en tant que citoyen. Et que les différents courants idéologiques qui sont différents et en opposition dans la société algérienne, et toutes les sociétés connaissent des courants idéologiques différents et antagoniques, eh bien, qu'ils s'entendent sur un minimum qui permette le vivre ensemble et qui permette l'alternance électorale. S'il y a tous les 5 ans ou tous les 4 ans un vote, il ne faut pas avoir peur du premier vote remporté par les islamistes. Il faut qu'ils s'engagent à dire que s'ils perdent les prochaines élections, ils quittent le pouvoir. Il ne faut pas qu'ils fassent comme Trump est en train aux États-Unis de dire, si je perds les élections, je ne quitte pas le pouvoir. Non, non, c'est l'alternance. Deuxième principe, la liberté d'expression. Et donc la liberté de la presse. Troisième principe, l'égalité juridique homme-femme. Et enfin, quatrième principe, la liberté de conscience. Si tous les courants idéologiques sont d'accord sur ces 4 principes, on va vers les élections. On va vers les élections. Il ne faut pas avoir peur des islamistes. Parce qu'il faut avoir confiance dans la société. Il faut avoir confiance dans la société. Il n'y a pas de société qui se veut du mal. Il peut y avoir, comme dit Marx, la fausse conscience, etc. Mais les gens peuvent se tromper dans les élections. Ben, la prochaine fois, il ne votera pas pour lui. Si un parti islamiste gagne les élections, s'il arrive à améliorer la situation économique et sociale, les gens vont voter pour lui la prochaine élection. Mais si la situation empire, ils ne vont pas voter pour lui. Donc, il faut faire confiance à la société, il faut faire confiance à la démocratie. Ceci dit, la démocratie aussi n'est pas le système politique le plus parfait. Aux États-Unis, c'est un pays démocratique, c'est un escroc qui a été élu, Trump, c'est un escroc, et ça c'est le Washington Post et le New York Times qui le disent, ils le disent, c'est un escroc, c'est un démagogue, c'est quelqu'un qui est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? L'armée américaine n'a pas fait un coup d'État. Ils attendent 4 ans. Dans 3 semaines, il va être battu selon les sondages, il sera battu. Voyez-vous, c'est ça la démocratie. Et la démocratie, encore une fois, ne règle pas tous les problèmes, mais au moins elle donne la possibilité aux gens de choisir leurs dirigeants. Moi, les islamistes ne m'ont jamais fait peur parce que j'ai toujours eu confiance dans la société algérienne. Voilà, très bien. Donc peut-être Saïd, la question que je voulais vous poser, c'est directement liée à ce que disait Adi par rapport à cette confiance dans la société. Donc vous qui vous êtes, je sais bien que vous êtes très engagé dans le débat public, vous participez beaucoup à soit dans les réseaux sociaux, soit dans les plateaux télé, pour apporter ce discours contradictoire qu'on appelle un peu dans le discours tenuire, c'est ça, c'est un peu apporter, enfin, injecter des lumières dans le débat public par rapport aux questions de la religion. Donc, vous voyez comment la société, vous qui vivez en Algérie, c'est quoi votre lecture par rapport à ce discours réformateur que vous injectez dans le débat public? Je pense que, comme le disait tout à l'heure Sel Houari, la société algérienne, elle est en train de changer.
Rien ne reste figé dans le plan social. Tout change. Le changement, c'est une loi sociale. Donc, les gens changent. Et surtout les nouvelles générations. Ma génération, à moi, ce n'est pas la génération, par exemple, des 25-35 ans. Et ce n'est pas, et les 25-35 ans, ils sont différents de la génération, par exemple, des 13, des 13-18 ans, des 13-19 ans. Les gens changent et plus on va vers des générations nouvelles, plus on remarque qu'il y a des idées nouvelles. Il est dommage que l'école ne suive pas ce changement. L'école, elle est toujours, bon, pour ne pas, je vais essayer de positiver un petit peu. Elle n'est pas dans son rôle, en fait. L'école, elle n'est pas dans son rôle, l'école algérienne n'est pas encore dans le rôle qu'elle devrait jouer, mais elle n'est pas encore républicaine. Elle verse toujours dans l'idéologie, qu'elle verse toujours dans. C'est-à-dire, tant que la citoyenneté n'est pas enseignée à l'école, tant que les droits de l'homme ne sont pas enseignés à l'école, tant que. On n'apprend pas, Kemal Silouari, on n'apprend pas la philosophie en tant que aux élèves de lycée, en tant que façon, manière, façon de penser, c'est-à-dire et pas seulement des théories qu'on leur fait avaler, qu'on leur fait apprendre pour qu'ils les réécrivent sur les feuilles d'examen. Qu'on leur apprenne l'esprit critique, qu'on leur apprenne l'altérité, qu'on leur apprenne le respect de l'autre, le vivre ensemble en paix. Tout ça, ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore enseigné à l'école. Donc, il est difficile quand même de faire dans le tenuir, si vous voulez, dans un discours religieux éclairé. Quand l'école ne suit pas, et quand l'école, il n'y a pas que l'école qui ne suit pas en Algérie, il y a aussi les médias aussi ne suivent pas. On nous arrose de superstitions, on nous arrose de, on n'arrête pas de nous arroser de choses vraiment futiles, qui n'intéressent presque personne, au détriment des vrais programmes qui devraient être diffusés. Donc le débat, il y a des voix, par exemple, qui sont là, je ne parle pas de voix politiques, je parle de voix intellectuelles, des idées qui sont exclues du débat, et c'est dommage. Donc, mais moi, personnellement, à mon niveau, je fais ce que je peux, et il y a beaucoup de jeunes comme moi qui font aussi ce qu'ils peuvent par les moyens du bord, les moyens qu'on a, c'est-à-dire qui sont à notre portée, les réseaux sociaux, etc. Mais sinon, vous avez d'autres courants qui ont des chaînes de télévision, qui ont des journaux, qui ont des revues, qui ont des dizaines de sites internet, etc. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Maintenant, est-ce qu'il y a un écho? Oui, il y a un écho. Il y a un écho. Moi, j'ai une fois, dernièrement, j'ai fait une publication sur ma page pour dire que il y a de plus en plus de tenwiriyin, c'est-à-dire en Algérie, et c'est généralement c'est des jeunes, et bon, des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont peur de se montrer au grand jour, qui ont peur de se déclarer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des retombées au niveau de leur milieu, au niveau de leur quartier, etc. Donc, on les voit, ils prennent souvent des pseudos, par peur, voilà. Et ça se comprend, d'ailleurs. Ça se comprend parce que notre société, elle est toujours... c'est-à-dire, il y a toujours de l'intolérance, malheureusement, dans notre société. Donc, il faut du temps pour le changement. Tout changement nécessite du temps. Voilà. Très bien. Donc, peut-être on arrive à la fin de cet échange. C'est très riche et c'est très...
C'est riche et enrichissant. Donc Vous n'avez pas peut-être je montré vais. les couvertures du livre. Oui, en fait, je vais mettre le. En fait, pour les personnes qui veulent acheter le livre, il est disponible dans l'Algérie. Il a été édité par les éditions Frantz Fanon il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez le trouver dans les librairies un peu partout en Algérie. Je vais mettre le lien dans la page pour les gens qui veulent l'acheter en Algérie. Et pour les gens qui veulent l'acheter en Europe, voilà, c'est les réseaux habituels, soit sur Amazon, soit à la Fnac et dans les librairies indépendantes. Donc, je vais mettre les liens des deux couvertures européennes et algériennes dans la page pour que les gens qui veulent acheter le livre, surtout en Algérie. Donc, c'est très important. Et je vous donne peut-être un rendez-vous dans 2 semaines, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. Monsieur a dit peut-être il s'est proposé volontaire de répondre directement aux questions. Donc, peut-être 2 semaines, le temps que les gens lisent le livre et posent des questions de fond. Donc, peut-être on va faire une autre émission de manière interactive pour que Monsieur Adi réponde directement aux questions des auditeurs. Et là, j'ai lu quelques commentaires et les gens encouragent ce genre d'échange parce que voilà, c'est comme ça qu'on participe aussi à injecter un fond dans le débat. Voilà, c'est comme ça qu'on participe aussi à faire avancer les idées. Et je vous rappelle que le livre de M. Hadid est un livre essentiel. Vraiment, c'est un travail, je pense, de 10 ans, c'est ça, M. Hadid? Oui, un peu plus, Voilà, oui. de 10 ans. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous apprenez beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Même pour la culture générale, les gens qui ne connaissent pas, on apprend pas mal de choses. Et surtout, il donne beaucoup de pistes de réflexion sur les questions que se pose actuellement la société algérienne ou Vous savez ce le qu'a monde. dit un grand islamologue qui est d'ailleurs né en Algérie, Jacques Berk? Oui. Il a dit, il n'y a pas de pays sous-développé. Il n'y a que des pays sous-analysés. Ben voilà. Voyez-vous? Donc, nous avons un retard dans l'analyse de notre propre société, de notre propre culture. Et surtout redonner aux sciences sociales leur place essentielle dans la formation universitaire et dans le débat public en général. Peut-être je vous laisse le dernier mot à vous deux avant de conclure et finir cet échange. Saïd, le dernier mot? Eh ben, moi, je ne peux que remercier le professeur Houari Adil pour m'avoir permis cet échange très fructueux. Et merci à vous aussi pour avoir organisé cette rencontre. Et j'espère qu'il y aura d'autres conditions, Merci. d'autres occasions. Merci Saïd Jabelkher, merci Wahab pour cette opportunité pour discuter. Je crois que il faut qu'il y ait ce genre de débat dans le respect mutuel et pour enrichir notre culture. Je voudrais dire un dernier mot et je vous garantis, ce n'est pas du tout par démagogie. L'islam est une grande religion. Il y a un patrimoine islamique que nous ne connaissons pas, qui est d'une très grande richesse. Hein, quand vous avez des gens comme le Kindi, le Ma'arri, comme le Farabi, eh bien, il y a de quoi être fier. Quelqu'un comme Ibn Rushd, eh bien, il faut les connaître.